Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma morning routine, maman et bébé. Sans papa parce que papa actuellement est en déplacement. Donc en ce moment, tous les matins se ressemblent. Mila me réveille vers 7h30. C'est pas toujours gai comme vous pouvez l'entendre. Mila, elle a un réveil assez difficile. Donc je vais chercher Mila dans son lit et on reste un peu ensuite dans mon lit à moi en fait. Parfois elle se rendort une demi-heure voire une heure et parfois pas du tout et elle veut descendre tout simplement comme c'est le cas aujourd'hui. Allô? Ensuite, on descend et la première chose que je fais, bien sûr, je vais aux toilettes comme tout le monde, mais je vous ai épargné les détails. Et ensuite, je change le Pampers de Mila tout simplement. Donc moi, j'utilise le liniment de chez Gifreur. Ensuite, on se dirige dans ma cuisine et je mets Mila dans sa chaise haute le temps de préparer le petit-déj, que ce soit le sien ou le mien. Donc pour moi, chaque matin, le petit plaisir, c'est le jus d'orange pressé. Mila, elle prend un blé d'idej. Celui-ci, c'est le blé d'idej croissant chocolat gourmand. 30 secondes au micro-ondes. J'en profite pour lui préparer également son biberon d'eau pour la journée. Celui-ci, c'est un biberon Latch. Ensuite, je vais dans le salon pour donner le biberon de Mila. Elle regarde un peu les dessins animés en même temps. Et je retourne enfin dans la cuisine pour pouvoir prendre mon petit-déj à moi. Et ça, c'est Cartman. Ensuite, je vais dans ma salle de bain tout simplement pour prendre ma douche. Mila est toujours avec moi étant donné que je suis seule à la maison avec elle aujourd'hui. Et donc la première chose que je fais, je me brosse les dents. Mon dentifrice, c'est le Crest. Donc c'est un dentifrice blanchissant qui vient des États-Unis. Je prends ensuite ma douche. Donc je ne pourrai pas vous montrer les produits que j'utilise étant donné qu'ils sont plus dans les flacons d'origine. Mais j'utilise comme gel douche le Sanex et comme gel lavant pour le visage, j'utilise celui de chez Aven. Ensuite, avec un coton, je me lave le visage avec l'eau micellaire Bioderma. Ensuite, je me mets de l'eau de lavande sur le visage. Ça fonctionne hyper bien pour les peaux mixtes à grasse. Je vous mets bien sûr les liens en dessous de la vidéo. Je mets mon gel hydratant de chez Clinique. Hydrater le corps en ce moment, j'utilise un produit de la marque Delily. Je l'ai reçu par la marque, donc je suis en train de le tester et je dois dire que c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, on remonte à l'étage et je vais choisir mes vêtements de la journée, donc pas très compliqué, ça va être jogging hein, étant donné que c'est une journée toute simple où je reste à la maison. Je fais pareil pour les affaires de Mila, donc je choisis sa tenue du jour. Entre-temps, bien sûr, je me suis habillée et je passe au maquillage.
Donc comme fond de teint, j'utilise le Color Stay de chez Revlon. Donc c'est un fond de teint que j'utilise depuis des années. Celui-ci, j'ai la chance de l'avoir reçu d'Octoly. Je suis hyper contente parce qu'en fait, c'est une teinte que je n'avais jamais testée. Et c'est un peu bête parce que c'est la teinte qui me convient. Donc je suis hyper contente d'avoir reçu ce fond de teint. Je l'utilise depuis 4 ou 5 ans. Et c'est un fond de teint que j'adore. Il est hyper couvrant et c'est quelque chose qui me plaît dans les fonds de teint. Ensuite, j'utilise un anti-cerne de chez Sephora. Comme d'habitude, je vous mets le lien de tout ce que je vous cite en dessous de la vidéo. Donc je masque un petit peu les défauts, les boutons, etc. Je poudre avec une poudre libre de chez Clinique. Ce blush vient de chez MAC. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo avec la couleur. J'utilise ensuite la crème pour sourcils de chez Makeup Forever. C'est aussi un produit que j'utilise depuis des années et que j'adore. Ce fard vient de chez Kiko. Et le second fard, c'est un fard noir de chez Clarins. Le mascara, c'est un Clinique. Et pour terminer, on redescend et j'habille Mila sur sa table allongée. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Mila, elle aime pas beaucoup se changer. À savoir, je ne lave pas Mila le matin, je la lave le soir. Donc elle prend un bain le soir et le matin, je lui rafraîchis le visage tout simplement avec l'eau micellaire de chez Gifreur. Affronter une nouvelle journée, une journée assez simple aujourd'hui étant donné qu'on reste à la maison. Je compte sur vous pour liker cette vidéo et je vous fais des gros bisous.